au YouTube, on n'a pas le temps, vite! Alors on avait dit quoi? C'est la pire arme. Hop, ah ouais, mais. Oh, mais on n'a plus rien! On n'a plus rien là! On n'a plus rien là! C'est le problème là! Ouais, mais c'est toujours la pire arme. C'est quoi? Je tente un truc. Ah oui, d'accord, c'est pour ça l'oxygène. Ah oui, mais il est toujours là, lui. C'est bon. J'ai pas trop envie de m'arrêter, étant donné que j'ai pas d'oxygène, j'ai pas de vie, j'ai rien. Plus simple que ça. Donc j'ai pas demandé mon reste, hein. Oui, je. Bah, en vrai, le truc, c'est que, tu sais. En fait, le problème, c'est que le changement de. Enfin. Tu sais, il est un peu lent, le perso. Et le changement de, d'armes et tout ça, bon, surtout qu'en plus je fail souvent, tu sais, genre j'arrive jamais à switch sur l'arme que je veux initialement, donc bon, j'étais en mode bon, vas-y, tu vas juste fuir, ça ira très bien pour cette fois, quoi. T'es sérieux là? Oh, le petit semi-conducteur rubis là, qui nous met bien. Puis en vrai, je sais même pas si j'avais encore des munitions, hein, du truc. Hein. Parce qu'en fait, les tirs alternatifs, le problème, c'est que les tirs alternatifs, ils coûtent plus de munitions que les tirs normaux. Donc je sais pas si j'aurais pu utiliser un tir alternatif, là. Alors du coup, est-ce que c'est le moment où... on achète un truc? Si on achète un truc, on achète quoi? On était en mode lance-flamme, quoi. Donc, c'est ce qu'on a commencé le lance-flamme, mais c'est vrai que le trancheur, putain, le trancheur aussi, c'est bien. Hein. Vas-y, on va partir pour le lance-flamme. Et une fois n'est pas coutume. Ah ouais, mais ça coûte une plombe. Oh. Ah ouais, mais j'ai pas du tout envie d'acheter de la vie, du coup. Ça coûte trop cher. Ça coûte beaucoup trop cher. Peut-être le regretter, mais... Écoutez, en plus on a un point de sauvegarde. J'assume. Sur le fil, vraiment. On joue sur le fil, là. Alors attendez, du coup c'est le moment où on faut regarder la map. Ouais, parce que voilà, donc du coup là on est passé à côté d'une pièce qu'on ne peut pas visiter. Là il y avait une pièce quoi? Ah oui, non mais c'est la quête, quoi.
sais pas si on. Non, le niveau 3, on l'a pas. Hein. Allez, c'est parti. Vas-y, on va changer d'arme aussi, parce que là, ça sert à rien d'avoir ça. Si on n'a pas de munitions dessus. Et on recharge tout. Ah bah là ouais on n'a pas trop le choix hein. Ça j'imagine qu'on l'a déjà fait plusieurs fois mais je vais revérifier. Putain c'est le pire. Ah ouais non. Oh ouais non mais oh là là non mais jamais on repasse cette porte hein. Non mais... Ils sont venus en famille, quoi. Et... Ils voulaient manger du barbecue, visiblement. Ils ont entendu l'invitation, hein. Ah merde, non, c'est pas ça. Ils ont inventé... voilà, eux, ils sont chauds pour bouffer, hein. Mais j'ai plus de munitions du lance-flammes. Je veux bien, hein. Le problème, c'est que je peux plus, hein. Genre, j'ai pas des munitions infinies, quoi. Et oui. C'est pour ça que je joue d'autres armes là, c'est pour ça que je joue ça là, parce que au moins j'ai des munitions de ça quoi. Attendez, en vrai je me pose une question. Est-ce que c'est randomisé à tel point que. C'est bien ça. Oh, c'était clutch. Oh, c'était clutch. Ouais, sauf que ça nous apporte rien, à moi. On se casse comme des bisous. Arrêtez d'utiliser les conduits, c'est pas autorisé. Oh putain. Oh, j'ai un mauvais souvenir de cette phase, hein. De cet endroit. Ce qui est marrant, c'est que du coup... Ah merde. Oh ce fail. Le truc s'est attaché à lui, du coup ça servait à rien quoi. Bon ben on va. Oh là là, il me reste. Oh là là, c'est l'enfer. Ah, on veut le geler en fait. Ah, pas con. L'azote liquide, c'est le truc qui gèle là. Pourquoi on veut récupérer de l'azote liquide, c'est pourquoi. Je les ai zappés, hein, on a sans doute. De toute façon, on a regardé sur la map, on est d'accord que là, il n'y a rien de bizarre entre guillemets. Enfin, si on va pouvoir voir après, si on peut rentrer dans l'autre pièce, mais...
On a la place de niveau 3, mais je pense pas qu'on a l'accréditation. Enfin, le sound design de ce jeu. Ah, je me demande s'ils ont amélioré le sound design ou si c'est le sound design de l'époque. Entre guillemets. Ah non, on l'a pas. Level 3 security clearance required. Putain, il y a quelqu'un qui a ouvert une porte là juste à, chez moi là, ça m'a fait peur. J'étais pas prêt. C'est de me faire peur même IRL, le chat. Et attendez, c'était... Il était où le point de sauvegarde, là? Ah, il était là. C'était la mémoire, de toute façon, j'ai pété. Attendez, on va essayer de recharger ce qu'on peut recharger. Tiens, vas-y, on va essayer de récupérer le lance-flamme, mais je suis pas sûr qu'on ait des munitions de lance-flamme. Hein. C'est pas que je veux pas jouer lance-flamme. Hein. Ah non, on n'a pas de munitions de lance-flamme. Hein. Là, on est en mode... On est orphelin, quoi. Par contre, on a des munitions de ça. Ça, c'est munitions de quoi, ça? Énergie laser? Ah oui, le choc laser. Ah oui, mais putain, putain. Ah oui, non, mais c'est ce qu'on vient d'équiper. Recharge. On sauvegarde et let's go, hein. On va voir à quelle sauce on va se faire manger. C'est nouveau ça, on connaît pas. Oh là là, l'objet en plein milieu là, qui ça ressemble à un piège comme Jaja quoi. Et où là qui me regarde. Pff, oh crain. Oh, oh l'ambiance de cet endroit quoi, oh là là quoi. Hein. Ils sont pas là pour faire des barbecues, hein, je sais. Hein. The same thing. I can say I'm not a fucking murderer. Speaking of courtesy, do I have to use the bag for fixing the Ishimura's engines? Our homecoming will be truly divine. And I doubt even you can stop a convergence event fueled by the entire population. Oh. You take these things to Earth, it's all over. Only for the faithless. Humanity will be made whole, Mr. Clark. With or without you. I'd say you've chosen your side. Thank you.
j'adore ce dribbler. Je t'en supplie, ferme-toi la porte. Ah oui, ça me dit quelque chose, ça. Mais putain! Oh là! Bouge-toi. Ok, j'ai un flashback, enfin je sais pas trop, mais je sais qu'il y a un truc à faire avec ça. Ou alors je réfléchis, ou alors c'est un autre jeu, c'est pareil. Bah yes, super. Ah ben non, ok, ah oui, ben ouais, ok, c'est pas du tout le bon endroit. Ok. Bien content d'avoir eu un souvenir, tiens. Le flashback. Isaac, you okay? I stopped that hunter. The Mercer's gone. Je me rappelle qu'on avait galéré sur ça et que au final c'est simple, mais il faut. I have to seal the captain's nest and warn Hammond. Okay, I can seal the nest, but I haven't been able to reach Hammond since he went to the crew deck. Isaac, our air quality is falling fast. If you've got liquid nitrogen, we gotta fix hydroponics. On it. Keep trying to reach Hammond. Mercer. I don't think he's done yet. Ah, c'est le fameux échantillon de tissu. Let's call it a tissue sample from Mercer's pet hunter. Careful. Who knows what mad science went into that thing? Maybe I could find out, figure out what Mercer's up to. If I'm fast. There has to be a DNA scanner close by. Isaac. T'as le jeu est hyper bien fait. C'est un des premiers trucs qu'on a trouvé au début du jeu. Quoi. Take the tram back towards the hangar, then head to the repair station. Remember where you took that broken tram car off the tracks? There's an access door in there that'll take you to hydroponics. Parce que j'ai géré, mais j'étais quand même stressé, quoi. Oh, le flashback, quoi. J'étais en mode... Oh, putain, mais ça me parle, quoi. Les trucs parce que j'avais l'habitude que je faisais des assauts sur ça là, donc du coup hop comme ça, voilà. Pourquoi j'évite de changer en plein combat parce que
Mais en vrai, j'avoue que le changement en fait est plutôt rapide, mais c'est juste que. Si tu dois appuyer 56 fois pour changer avec un. Bah, du coup, ça prend plus de temps quoi. Ok, on est d'accord que... Ouais, hein. Ah, c'est bizarre, des fois, vous avez vu, le jeu il est flou d'un coup. Je sais pas si c'est parce que les textures chargent ou... C'est trop bizarre. Résoudre. Ça c'est toujours verrouillé. Flight deck tram control. Sauf que là, le problème, c'est que scanner le tissu, c'est un objectif secondaire. Et où est-ce que c'est ton... C'est ce que je me souviens. J'étais en mode, mais putain, pourquoi il faut scanner des trucs là. Je me souviens très bien d'avoir fait cette réflexion. Mais où c'était? Ça... Je peux utiliser leur munition sur eux. Ouais, mais si, quoique, en vrai, c'est... je vais me faire chier en bas parce que ouais, je vais arriver par là. Hein. Je vais arriver par là, c'est sûr. J'avoue que ce serait bien de tomber sur une fucking sur un fucking banc d'amélioration là, parce qu'on a des milliers de points, on a des, enfin, on a des trucs à dépenser quoi. Et là, du coup, regardons la map. Très... trucs à visiter là, en effet là. Ok. Ah si, c'est en direct. Et donc là, c'est là. Ouais, donc visiblement déjà on n'est jamais venu ici. C'est un plaisir de visiter les WC. Hein. Et toujours plus de crédit. On est content. Toujours content, ouais. Donc ça, ok, ça c'est visité. Et maintenant, il y a un autre truc qu'on n'a pas visité. Sachant qu'en vrai, le problème c'est que j'essaye de visiter tous les trucs qu'on a... Mais en fait, il faudrait que je visite de partout, en fait, parce que, comme je vous dis, il y a... Là, il faut qu'on... Il y a un objectif secondaire qui nous demande d'aller à un endroit où on est déjà allé. Donc en fait, la map va pas m'indiquer quel est cet endroit, quoi. Hmm.
En tout cas, on va aller visiter cette pièce qu'on n'a jamais visitée, ça c'est sûr. Donc, gauche, droite, gauche. Okay. Gauche. Ah, un petit peu moins sauvegarde en plus. C'est là ? Ouais. Let's go. Ah oui, bah oui. Pas. On a de quoi essayer. Et là, ben là, je sais plus. Hein. Parce que j'ai déjà zappé, bien sûr, parce que j'ai une mémoire de merde. Donc c'est là. Et est-ce que du coup, c'est pas là qu'il faut revenir complètement sur nos pas, parce que. Et là, ouais, si je suis mon instinct, sachant que il y a de grandes chances qu'il soit mauvais, c'est là qu'il faut revenir sur nos pas, quoi. Elle était petite cette zone. Malheureusement. Ça, c'était les histoires de disques durs, tout ça. Vas-y, attendez. Parce que là, du coup, nous, on va visiter. La recherche de la quête secondaire là, mais ça se trouve c'est pas là, c'est ça qui est compliqué quoi, c'est que. Et je m'attends pas à me dire putain c'est là en fait quoi, c'est ça le problème. Ok, donc là le problème c'est que c'est un ascenseur et l'ascenseur il amène où? Vas-y, tu sais quoi, on va jusqu'au bout de la démarche, hein, quitte à le faire. Non, jusqu'au bout. Non, ce jeu est vraiment trop bien. Franchement, je le refais vraiment avec énormément de plaisir. Et là. Ah, attendez. Ceci de map. Intéressant, parce que du coup. Et attendez, mais on va arriver où là? Okay.
Oh fuck, c'est un pire à roue. Oh merde, ok, attends, super. Bon, tant pis, on va se débrouiller avec ça. Hein. Ah mais en fait on peut détruire ce truc sans qu'il fasse pop des trucs, en fait faut juste pas viser son ventre. D'accord. Ok. Non mais en fait ok, si ce mob il est complètement gérable avec cette arme, c'est juste qu'il faut vraiment ok. Vraiment viser ses jambes quoi. Ok. Et moi du loot. C'était là, je sais pas. Sinon, comme je vous dis, là, je suis obligé d'aller jusqu'au bout de la démarche. Hein. Si je recommence à faire du bac à. Revenir sur mes pas, là, comme ça. J'ai obligé d'y aller jusqu'au bout. Ok, donc là, on a un point de sauvegarde. Là, on a deux chemins. Oh, ah ben non, j'allais dire intéressant, on va pouvoir visiter ces deux pièces qu'on n'a jamais visitées, mais pas du tout. c'est le fail. Le fail est réel. Donc je dirais... T'as la bougeotte toi. On l'a vu hein. On a vu que t'avais la bougeotte hein. Bon ça m'étonnerait que ce soit aux toilettes mais... On se trouve jamais. Il veut que je remonte, sauf que moi je veux pas remonter, enfin il faut que je descende. En même temps je pense que c'est bon, ça on a fini de visiter parce que de toute façon... Tout à l'heure on était revenu sur nos pas, on avait fait l'autre partie qu'on... Bon allez vas-y. Vas-y. Ouf. Énorme! Regardez, je... Ah non, ok, c'est bizarre. Ok. Donc là, bah là, c'est parti, écoutez. J'espère que... Le jeu va nous ramener naturellement à l'endroit que je cherche depuis le début. Donc sans doute qu'on reviendra ici plus tard. Voilà. On a une petite partie de viande là pour le futur méchouite plus tard là. Ok. On continue. Ben, ça me manque de plus jouer lance-flamme hein, quand même. Putain, mais surtout, il me faudrait. Isaac, if you're near hydroponics, check your helmet filters. That air's not safe to breathe. Yeah, I smelled it. The whole deck's right. I'm reading a huge mass in food stores. Comment? Too big to be anything they grew. It looks like the source of the poison gas. That patient in medical, he said something about creating an enzyme, right? Maybe the scientists left the workstation open. Comment il pourrait le sentir alors que son casque...
son casque lui permet d'aller dans l'espace, quoi. Ah, peut-être qu'il y a un mode EVA qui clôture tout, quoi. Ouais, c'est pas bizarre. Mais non, en vrai, c'est possible. Hydroponic log, Dr. Elizabeth Cross. Now the sprinklers are fixed, we're working close to maximum capacity. All flora is thriving and Food Yield has created a surplus. And I had the surplus packed up so we could send it to the colony. The Captain Matthias is strictly enforcing his no-fly order. It's ridiculous. I'm lodging a complaint. Everyone knows Aegis 7 needs help. What harm could some fresh fruit do? Juste au moment où je commence à être serein dans les WC, allez, allez. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas arrivé un truc dans les WC, j'étais en mode oh, ça va, c'est routine maintenant, allez, tu parles. Let's go. Faut que je boive aussi. Hein. Attendez. Je me dessèche. Je me dessèche de l'intérieur. Putain, mais alors des crédits, putain, qu'est-ce qu'on en récupère? Mais alors, putain, au niveau des munitions, on est pas ouf, quoi. Hein. Oh, en plus, on est inventaire plein, là. Et on a toujours pas de d'établi, je déteste ma vie. Quand même, le jeu a réussi à me faire peur avec un système d'irrigation, hein, voilà. On en est là, hein, c'est-à-dire que... Enfer de ce jeu, quoi, putain. Je recharge un peu toutes mes armes. Mais en vrai, vas-y, on va jouer ça, hein, parce que là, on avait une diminution de ça. Hein. C'est parti. To all survivors, turn back. It's all gone. Everything we grew. My team. All dead. That monster. Please, leave. Get somewhere safe. If I can find a way to kill it somehow. Jacob. If you're hearing this, you know I have to try. Qui c'est Jacob? Ouais, mais je retiens aucun nom, donc... Ok, grosse ambiance ici. Mais on a un peu... Ouais, on a plein de trucs intéressants. On a une boutique. Ah oui, mais c'est ça en plus qui nous manquait. Ah oui, mais attendez. Oh, on va remarquer, on va faire l'aura. Hein. Désolé, mais... Rolling coming, hein. Ah mais non, j'ai rien à vendre. Je crois que... Oh non, mais c'est un établi qu'il nous faut. Ah, vas-y, on va vendre ça, tant pis. Hein. Je te dis, au bout d'un moment... Comme ça, ça nous fait de la thune. Comme ça, oh oui, oh oui. Liquid nitrogen supply depleted. Comme ça, j'achète une Amelio.
et... Nitrogen supply depleted. Là, je prends ça, c'est sûr. Est-ce que je prends... Ah, mais de toute façon, j'ai pas assez. Ok. Bon, par contre... C'est le moment. Liquid nitrogen supply depleted. On revient sur nos pas. On va chercher ce qu'on n'a pas réussi à looter. C'était pas là? This is Dr. Elizabeth Cross. Ok, parfait. To all survivors, turn back. Liquid nitrogen supply depleted. En vrai, c'est peut-être le moment, si vraiment j'entreprends de faire le 100%, c'est peut-être le moment où on va créer une autre sauvegarde au chat. On va éviter de passer à côté. Certains trucs. Donc je fais tout pour pas que ça arrive, mais... Et on n'a pas une meilleure arme que ça là, avec, enfin une arme avec plus de munitions que ce truc là, parce que pour avoir juste 25 balles là, c'est un peu chiant quoi. Bah non. Bah non. Ah si, en effet. Allez, le retour du lance-flamme, let's go. Attends, je vais le mettre là, et on va remettre du coup le cutter. Warning. Liquid nitrogen supply depleted. Hop. Parfait. Du coup, bam, bam. Ah oui. Le retour du lance-flamme, let's go. Je sauvegarde ça. Salut Cobra. Alors, non, excuse-moi. Si ça se trouve, il va se passer des trucs, je vais pouvoir te répondre tout de suite. En tout cas, c'est un jeu. Ah d'accord, ok. C'est un jeu fait en 2008, donc Dead Space. Par les créateurs de, donc, voilà, qui ont créé Dead Space, qui ont aussi créé Callisto Protocol aussi récemment. Et c'est donc un jeu FPS horreur dans l'espace, très inspiré d'Alien. Voilà. Pour faire quoi? Donc l'histoire, si tu veux, l'histoire globalement, en fait, on est des ingénieurs qui sont donc appelés pour réparer un vaisseau spatial, un vaisseau minier pour être précis. Et donc du coup, on arrive sur le vaisseau et ben, en fait, il y a aucun signe de vie, tout ça. Puis on se rend compte qu'en fait, ben c'est la merde, quoi. Voilà. Et donc il y a des histoires de monolithes, de créatures bizarres, de religions qui essayent de... Bref, il se passe des choses, quoi. Si t'as des questions, n'hésite pas, hein. Food storage. Even if it was, the Leviathan would devour it. You. You're Elizabeth Cross, right? Leviathan? Is that what's poisoning the air? The air. My team has destroyed everything. Is this a Leviathan? I designed a special enzyme to kill it. I just needed liquid nitrogen to complete the synthesis. But the people I sent to medical never came back. I've got some of that enzyme here. Oh my god. How? J'ai utilisé votre machine, tout simplement. We need to inject it into the Leviathan. You can't get into food storage, but there's another way. It's risky. Riskier than running out of air? My team has been altered.
They're all connected to the Leviathan, breathing out its toxins. That connection goes both ways. Okay, so if I get to your team and inject them... The enzyme will be carried right into the Leviathan's heart. Bind the... Weezers. End their suffering. And when the Leviathan is weak enough, we bent the bastard into space. Piquer les siffleurs. Ok. Non, personne... Ok. Attendez. Vas-y, je crois qu'on va mettre fin à cette VOD, je sais plus trop où on en est. Des bisous YouTube. À très bientôt pour la suite de nos aventures, bien sûr. See you next time. Ah oui.